je galère un peu. Bon, c'est pas nouveau, même au cerf c'était pareil. Ou en canyon aussi. Alors Clem, c'était bien le bus? Génial. Comme d'habitude, anglais, espagnol, allemand, pas français. Nous voilà à El Golfo. Petit coucher du soleil. Et derrière une belle crique.
Ouais, le panorama. Bon bah on s'installe pour faire un pique-nique. Le tissu bolivien, toujours très utile. Je sais pas si on voit bien. Et voilà, le coucher de soleil à Lanzarote. On vous fait des bisous. Bisous. Salut. Alors on a quitté la Isla de Lobos après une nuit au mouillage, superbe d'ailleurs, avec des profondeurs de 9 mètres où tu vois le sol, tu vois le sable au fond, c'était super beau. Et on va tout doucement à la voile sur Fuerteventura, Puerto de Castillo, c'est ça Flo? Ouais. Pour récupérer Benjamin, notre équipier. Tout va bien. Flo lit son livre, tranquille. Et le bateau avance. Bon, on est parti de Fuerte ce matin. Avec Benjamin, le nouvel équipier. Donc, comme vous voyez, les conditions de vent sont calmes. Optimales, on va dire. Optimales, oui. Alors, on découvre le ronronnement du moteur qui berce pendant la sieste. C'est agréable. C'est vrai qu'on fait des siestes magiques. 2 heures. Tu dors trop bien. Et moi, je commence l'espagnol. Voilà. Quelques mots en espagnol ? Hein ? Quelques mots en espagnol ? Ah bah attends, j'ai même pas lu le premier mot là. Vraiment, je viens de l'ouvrir, j'ai encore rien lu. Gracias. Ah non, ce matin tu m'en as appris un là, fermé quand même. Cerrado. Cerrado, voilà. De toute façon, je connais gracias et cerrado. Ouais, du coup, je m'étais pas rendu compte pendant la vidéo que j'apparaissais dans toutes vos compilations. Et donc, si j'avais pu choisir mon entrée, j'aurais plutôt fait un truc du genre. Ta-da ! Et aussi, ou alors, peut-être un truc genre comme ça. Oh, voilà quoi. Enculé, il y en a plus qu'un. Elle est folle. Voilà. Yes, ah, elle est belle, hein. Mais ouais, elle est belle. Putain, c'est con, il y en avait une autre là juste avant. Putain, elle bouge plus, c'est fou quand tu la tiens comme ça. Et ouais, parce que tu vois, moi je suis l'homme qui sait parler aux poissons. Tu vois. Oui, mais écoute. Heureusement que Benjamin est là. On a chopé un poisson, c'est quoi ça alors? Alors, ah, ça, tu vois, encore. Tu veux lui dire bonjour ou pas? Non. Non, je te fais pas chier. Un gros plan. Elle a saigné la pauvre. Ouais. Faut que je sais. Allez, je vais vite la tuer. Avec la... Ouais. Bon après. Arrête quand même. Vraiment pas ça. Elle est pas là, ça m'en fout partout. Ah, non, bah, attends, elle... dans le saut. Attends juste qu'elle arrête un peu de bouger là. Elle est fin raide. Bon, normalement il faut un bon petit pic là. Voilà, on va pas faire la maline longtemps là. J'ai jamais fait ça. Je suis pas non plus super à l'aise, hein, j'en connais. Hein. Je suis pas... normalement un peu plus calme. Normalement c'est un bon genre. Allez, la tête directe. Ça c'est fait. Thank you.
Salut. Bon là, on est la nuit de entre le 2 et le 3 novembre. On fait notre première petite traversée avec Benjamin, notre nouvel équipier. C'est tellement apprécié de faire 2 heures de car et de pouvoir dormir 4 heures. Ah. Tout se passe très bien. On a vu, au début on a fait pas mal de moteurs. Et puis après, on a mis les voiles. Et là, fusion. Fuse, voilà. En plein milieu des Canaries. Milieu. Milieu de l'île de Gran Canaria. Rien de sympa. Si étonnant que cela paraisse. Et donc après 1h30 de route, on découvre un point de vue fabuleux. Le point de vue du Mirador de... du Pico de las Nieves. Voilà, c'est vraiment sans précédent. C'est incroyable. C'est super beau, au Canary en novembre. Le Canary en novembre, vraiment un moment idéal. Puis on y voit quoi. Ah, faut qu'on nous voit. Attends, on refait notre présentation. Una capacidad para. C'est cool entre les canaux et tunnels vers les communes. Que entre acequias y túneles. De Arrucas y San Mateo. Voilà, merci d'être venu sur World and Channel Spain number 2. Mais non, la traductrice, on va la filmer. Mais oui, non, coupez, c'est la voix off. Coupez, on a la traductrice. On coupe. Welcome on News Channel. Bienvenue donc sur ce magnifique petit lac de Suzon, voilà. Non, pas de Suzon, c'est le lac de Tienes de las Noches. C'est donc un barrage naturel, splendide, hein, n'est-ce pas? Naturel. Naturel. Vachement naturel. Construit en 1933, ouais, non, le barrage est superbement naturel. De 27 mètres. Et donc voilà, on a... L'âge de cœur connaît. Le petit pic où on était tout à l'heure, où on voyait que dalle, là. Voilà. C'est celui-là, là où on voit maintenant un petit peu mieux. Donc on est redescendu et on est donc dans les Pyrénées maintenant, orientales. On a vachement de châtaigniers, j'ai trop envie d'en ramasser. Puis surtout, moi j'aimerais bien aller chercher les cèpes. Mais je crois que la terre est un petit peu aride, malgré les pins. Forêt de conifères canariens implantée depuis peu d'ailleurs. Plantos, depuis peutos. Voilà, c'est voilà. Important à dire. Importantos. Il y a du vent, on n'est pas habillé pour, on est en tongs. De las vengos. Pyrénéenne et. Les tongos. Bien chou. Et voilà, on vient de replanter le cadeau donc de... C'est qui t'a offert le petit truc dans le pot là? L'Elio. Voilà. L'Elio, regarde, voilà. Ton chêne a bien grandi. C'est bon là, hein, il tient bien. Ouais, ouais, ouais. Il va, bon. Je pense qu'il va repousser là. Ça va être cool. Voilà. Allez l'Elio, à plus tard. Ceci est une lorraine espagnole. C'est sucré. Mais c'est bon, hein. Mais c'est sucré. Ça aurait mérité d'être cuit, en fait, je crois. Oh, c'est ça l'idée. Et voilà nos courses pour le départ jusqu'au Cap Vert. Maintenant, il faut faire rentrer ça dans la voiture. Et dans le bateau, surtout. Et dans le bateau. Ça va pas être une. Bon, Clem, je te passe les packs. Moi, je pas. Je retrouve le grand anneau pour ce magnifique tissu bleu. Je n'ai pas du tout eu assez. Je pense que... Mais bonne nouvelle, j'arrive à coudre avec la petite machine. Je ne sais pas ce que ça donnera sur le long terme, mais j'espère que ça marchera bien. Le bateau est en plein travaux. Il y en a partout. Ça me rappelle des souvenirs. Eh, hey, ça bricole. Journée est bien chargée. Yes. Alors, Clem, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi, j'ai fait des housses de coussin, assorti à mon bimini, assorti à ma capote, assorti à ma bam, assorti à protection de moteur. Housse de ce côté-là. Oh, et de ce côté-là. Fini la vieille housse au tissu basque un peu pourri. C'est un petit peu défoncé. Parce qu'en plus on est trois maintenant sur le bateau, donc il est urgent de pouvoir être à deux allongés sur le bateau. Je crois que c'est très important. Important. Voilà.
pendant que le troisième dort en bas. Exactement. Ben. Alors, moi j'ai un peu sauvé le monde avec mon histoire de poulie là. Parce que, en fait, comme là il y a. Pardon. Il y a le pilote. Non, c'est pas le pilote auto. Mais c'est le régulateur d'allure qui devait passer là. Et bah, le mec qui a refait la barre, il a oublié de mettre les poulies, ce con. Donc, du coup. Non, bon, il est sympa quand même, hein. Il a juste oublié ça. Et du coup, on a galéré, on a un peu replié les poulies là, et puis du coup, on espère que ça va marcher. Et en plus de ça, j'ai fait un stick. Parce qu'un stick, ça coûte. On en a vu un à 210 euros. Donc voilà, ça m'a coûté 1 euro, et ça, je l'ai récupéré sur le bateau. Donc on espère que ça pourra fonctionner. Le concept, c'est ça, hein. Vous l'aurez compris. Et si ça fonctionne pas, et bah voilà. Normalement, c'est ça le stick, donc on peut barrer comme ça, dans le bon sens. Et si ça fonctionne pas, bah ça pourra toujours servir de soit batte de baseball, soit arme de self-défense en cas d'agression au Cap-Vert. Voilà. Parfait. Et attends. Et toi, dis-nous, qu'as-tu fait ? On va dans le bateau, là. Eh ben, on va dans le bateau alors. Allez, allons voir ce beau bateau. Ah, je sais. Bien rangé. Attends, je vais dire ça. Il a fallu réorganiser cette table à cartes. Et du coup, on a collé tout ça. Enfin, j'ai collé tout ça pour qu'enfin ça tienne. Vissé. Voilà. Vissé aussi, qui est un endroit pour pouvoir avoir des petits rangements. Attends, je l'ai là, la petite vis. Si tu peux enlever ta main. Voilà. Là, il y a du boulot là. Ah, c'est trop bien. Voilà. Et voilà. Belle table à cartes. On est pareil. Bateau pour y plutôt aller. Bien rangé. Panier de fruits plein à craquer. Voilà. Bon, encore une ou deux petites choses à ranger. Une petite vaisselle quand même. Normalement demain. Normalement demain. Let's go to the Cap Vert. J'aurais pu.